chérie. Haïti, Haïti, oh. Mes bonnes nouvelles là. Haïti, mes bonnes nouvelles là. Anal Fonti flanait avec Frère Joël. La bonne nouvelle là, qui était bonheur pour nous capables passer Léogane, après ça nous passer dans la zone Tigouave. Et puis là nous arrivons à Miroguan, nous descendons dans tout monio pour nous descendre à Akin. Et puis nous, quand nous finissons quitter Akin, nous tombons Zanglais. Je dis là, nous avons une bonne nouvelle pour nous capables visiter Zanglais ensemble. Nous jouons M. Bob Anglade, qui a un bel côté qui est le jardin sous-mer, côté bas de moi avec, qui pral fait 3 jours ensemble. Nous comptons, nous avons un pile artisanat pour ici à là, et puis nous découvrons pour ici à là, il y a plus de fruits de mer, passé presque tout côté en Haïti. À la même temps, tout, M. Bob Anglade a fait nous visiter un bel fort qui gagne un pile histoire zone là, qui est le fort d'Olivier. On a visité zone Zanglais d'Aquin. Ensemble. Mais bonne nouvelle. Bon, nous ici, dans Anglais, dans le jardin sous-mer, et puis c'est grand matin, nous avons mangé pour nous manger, nous avons des fruits, et puis nous avons là, nous avons confetti de papaye. Confetti papaye qui belle en pile, nous gagnons aussi, nous gagnons omelette, écrivisse, qui gagne écrivisse qui fait saut dans la mer bois ici là. Et puis moi, j'ai une belle madame là, ensemble avec moi. Nous la pral fait 2-3 jours ici dans le jardin sous-mer. Et puis ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis nous gagnons M. Bob Anglade qui pral montrer nous ici dans le jardin sous-mer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jardin-sur-Mer, c'est un aboutissement. Son rêve, c'est un rêve apporté à maturité. Voilà déjà 26 ans que je suis installé ici. Jardin-sur-Mer, c'est un rêve qui est devenu réalité. 26 ans de présence, 26 ans de travail, d'acharnement, de persévérance. Et c'en est le résultat. C'était le rêve que nous avions pour tout notre pays d'Haïti. Et je vous invite tous à venir participer à son développement et à son mieux-être. Haïti pas mourir, Haïti pas qu'à mourir. Il a besoin des mondes de cœur, des gens de bien pour nous remettre pays ça sous rail. Nous avons toute qualité pied-bois, tout arbre fruitier, toute plante à fleurs, là tout. Si je mets ça, il mène dans la mer, c'est lui qui mène dans la pêcherie. C'est là que nous avons commencé à former les gens dans la pêcherie, organisée pour apprendre à pêcher, apprendre à produire davantage, apprendre à produire, apprendre à conserver surtout la production de la pêche. Là. Parce qu'ici, il y a une grande déperdition entre la pêche et la commercialisation. Moi, je suis un petit en pile, parce qu'en pile, les gens qui remettent le tout, parce que les bougainvilliers là, qui ont fleurs très, très, très caractéristiques d'Haïti. Gardons un petit coup d'œil là matin sur. Je suis content de vous présenter ce petit bout de paradis qu'on appelle Jardin-sur-Mer. C'est un hymne à la beauté. Là, c'est une zone tout à fait semi-désertique. Et puis voilà, en 20 ans, ça vient là. Il y a une petite forêt. Une forêt tropicale. Moi, j'aime passer en bas sous bois ça. Et sur ma gauche, j'ai une pépinière. Petite pépinière qui est en devenir, quoi. Toutes herbes coupées, ils les récoltent pour en faire du compost. Parce que ici, nous utilisons de l'engrais végétal. Nous pas utiliser aucun engrais chimique dans la cour ici. Tout ça, c'est végétal. Petit pied mango sac devant là, son pied mango rond.
J'étais en Belgique quand je rêvais de ce retour au pays natal. J'ai profité de l'ouverture de 1986 pour revenir chez moi, pour rentrer chez moi, à Zanglais d'Aquin. Aquin, c'est pays papa, moi c'est le pays de mon père. Donc je suis revenu pour participer, pour apporter ma contribution. Et c'est un peu le résultat de 26 ans de présence ici. Je regarde ces mornes en face de moi qui sont un peu dénudés, mais un peu habillés quand même, parce que nous avons contribué à plus de 200 000 plantules tout autour ici dans cette crique. 200 000 plantules en 20 ans, ça représente 10 000 pieds bois par an que nous avons monté la morne. Soyez les bienvenus. Je vous donne encore mes coordonnées. C'est Bob Anglade, 3668-6147. Appelez-moi, laissez-moi un message ou bien envoyez-moi un mail à jardinsurmer@hotmail.com et vous serez les bienvenus. Je pourrai vous organiser une petite visite dans ce beau paradis. Merci. C'est un grand privilège pour nous capables de venir visiter ici, dans les Anglais, dans le Jardin Sous-Mer. Je viens là, je viens voir que le Jardin Sous-Mer est un bel côté. Et puis, pour moi, n'importe qui qui t'a aimé venir visiter là, c'est pour être capable d'écrire Mr. Bob Anglade. Et puis, relayer le téléphone. Même pendant que vous regardez l'émission, je vous dis là-bas, je suis un coup de fil et pour dire, moi, je m'apprécie le travail que vous faites l'autre bois, je vis bien. Well. Et puis, font façon pour capable venir. Vous êtes capable de prendre American Airlines, entrer pour au Prince, vous êtes capable de louer une machine, vous êtes capable de venir. Moi-même, je suis sorti dans la zone Pétionville en 3 heures de temps pour être capable d'arriver ici. Madame est là, nous prenons une chambre, nous jouons une place pour nous aller et puis nous jouons une plage. Et puis ensuite, que nous visitons la zone Aquin, côté où on a fait la pêche. Et puis, son belle expérience ici, dans les Anglais. Ça, c'est Frère Joël avec l'émission La Bonne Nouvelle. On va continuer à visiter ici, dans les Anglais. Pendant que nous continuons à visiter ici, dans le Jardin Sous-Mer, madame fait moi que Napio sous Tabio belle en pile. À la même temps tout, il dit que bon artiste là, qui est monsieur Mackinson, qui c'est lui-même qui fait travail Napsayo et puis là ba nous une petite explication comment il fait bel travail Sayo. Léo te peinture Nap là. Ndé wè ou pas gain patron. Et puis ou pas mettre bagay na crayon avant seulement ou peinture. Quand travaille à crayon. C'est parce que je me bats tellement fort qu'on y a moins senti moins capable sans crayon, moins fait seulement à peinture. Ça veut dire pinceau a servi moins crayon. Wow. Les m'a fait. Ça c'est un gros bagage. Oui. Combien de temps on gagne à métier ça? Alors, depuis les moins gagne 10 ans que me commencé avant. Et puis qu'on y a gagne 22 ans. Ça c'est 12 ans où on a fait des ou a peinture comme ça à métier. Oui. Comment vous choisissez les couleurs? Parce que moi, on fait belle flair avec belle couleur orange, avec jaune, on mêle jaune avec vert pour faire fait. Pour les couleurs, ça veut dire que chaque soir fait, il y a une couleur qui est appropriée à lui-même. Jaune, ça veut dire flair fait là. Normalement, depuis le fait qu'après sorti, il y a un petit jaune qui apparaît là-dedans. Oui. Ça veut dire qu'il y a accompagné beauté qui est en fait vert là. Oui. Pour jaune abricot, fleur les jaune abricot mais il y a l'autre petit couleur qui est approprié là-dedans moi mettez là-dedans. Oh ça joli. Yeah. Et puis si me voulez commander une nappe dans une couleur spéciale pour kay moi comme si me voulez ou mettez rose avec rouge là-dedans ou capable faire ça? Oui, moi capable. Une belle quantité de fleurs tout ensemble, oui. N'importe fleur au café n'importe rose. N'importe besoin que me capable aux couleurs. Si vous achetez une nappe 8 couverts, la coûte au $60. Si vous achetez une nappe 10 couverts, la coûte au $70. OK. De suite, tant nappe la montée que vous montez $10 sous lui. Vous baissez, vous descendez $10 sous chaque prix. Nous même qui besoin de tableau,
nous avons un tableau et nous avons différents types de tableaux. Je vais attendre que vous relayez pour commander des tableaux, des nappes que vous tout. Moi, dans le numéro, c'est 771-3068. C'est pas seulement belle nappe nous jouons Boïsit dans le jardin sous-mer, mais nous découvrons Boïsit là une belle sculpture en bois aussi. Et puis nous jouons avec un artiste qui est M. Edrich Toussaint, et puis c'est lui-même qui fait travail bois ça. Nous avons pas la velle pour le capable de nous dire explication travail que l'a fait Boïsit dans le jardin sous-mer. Oui, et ça explique. Bon. Ça se sorti dans bois et sous forme bois directement pour arriver là son travail est qui complexe. Il faut un peu de travail pour sortir pour arriver là. Oui. Pour sculpter pour prendre bois sous forme bois pour sculpter les pour belle forme capable c'est un travail qui est très complexe. Et puis qui qualité bois ça est? Bon, c'est acajou. Acajou. Oui. Comment tu prends métier ça? Bon, moi tu passé dans un atelier à Pétionville. Qui c'est moi gagné et en moi qui c'est Jean-Baptiste Aubert Jeune, c'est un grand sculpteur international reconnu. Et c'est lui même qui apprend moi, bon juste moi levé ensemble avec lui. C'est lui même qui apprend moi et puis après moi tu passé comme on dit, dans l'École nationale des arts. Et puis, je m'apprends forme pour être capable et avoir plus de technique dans la sculpture. C'est joli. Ok. C'est joli. Et puis, moi, on fait ça, nous avons posé soumis en dans le là. Oui. C'est pour mieux, pour embellir mieux en dans le. Et ça, c'est indien, arawak. Oui. Local, là, nous avons l'histoire des Indiens et c'est les premiers habitants de l'île. Oui. Bon, ça a toujours inspiré moi pour me travailler sur les Indiens. C'est le sujet que moi préfère travailler sur. Si vous voulez commander une sculpture dans la main, M. Edris, ou capable de faire un petit coup de fil, ou soit juste relayer pour capable encourager pour dire moins cher, ou faire un bel travail. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quand il a nous pas affronté sorti ici, dans anglais, dans jardin sous-mer, pour nous capable continuer visiter zone là. Et puis nous va virer pour nous aller dans zone Saint-Louis de Sud, pour nous capable visiter une fort qui relie Fort d'Olivier. Monsieur Bob Anglade a tant nous l'autre bois dans Fort d'Olivier pour capable ba nous une bonne explication avec histoire de belle fort ça. Ou senti courant historique là on l'on campé sur la plateforme, ça, où il y a presque 400 ans, Bapio, là, son gros sensation pour sentir l'histoire passée, là. Fort, ça, c'est des forts qui construit en 1700-1750. Le Olivier Cromwell prend pouvoir en Angleterre, il tue roi, et puis il prend pouvoir. Donc, monsieur décidé, là, au lieu d'aller chercher l'or caïen indien, tant que l'autre, il a fait français avec l'espagnol, il a volé l'or indien, yo. Pour réunir l'île à vache là à droite, à l'ouest, pour retourner en Europe avec l'eau. Comme moi, elle fait mettre trois forts là, lui-même, et puis l'attaquer convoi espagnol, l'attaquer convoi français, il volait, il prend l'eau, il stocke l'ici, et puis là, ça le font convoi, il vole en Angleterre. C'est ça qui histoire, trois forts là. Il y a un peu de monde qui dit nous, dans le sud, nous n'avons pas d'histoire, on parle de la citadelle. Mais chaque pays, chaque ville dans le pays, chaque ville côtière, tu as une petite citadelle pâle. Et je pense que c'est tout pays là pour nous mettre en valeur. Ce n'est pas pour nous chita seulement, nous mettre le nord en valeur. Vous comprenez? Saint-Louis du Sud qui est là devant nous. Et puis, où
zile sa yore le zile Saint-Louis du Sud ki te gon force ou li tout. C'est li te kap aide verrouillé entre baie de Saint-Louis ya. L'enfant baie à l'autre bord koto wè ti bateau ti voilier ya, gon zile ki yore le d'orange. D'orange c'est sous passage lorsqu'on taquin ou sort Jacmel ou pral li la vache. D'orange c'est sous chemin lié. D'orange et bien on dit il est caché là il y a les îles moustiques sont îles qui gant pile oiseaux sous lui. Nous gain des amis ornithologues qui viennent là nous pral faire des observatoires pour nous faire moun yo vinn garder vinn faire photo gain moun dire mais ça vinn faire photo oiseaux. La capitale touristique nous c'est ça nous va mettre en valeur tout n'a mettre moustique en valeur. Pointe Estainville là grand pile bateau qui fait naufrage là-dedans ou bien pendant bataille. Bataille navale bah ça y a grand pile bateau coulé l'autre bord parce que l'on plonge avec masse ou un bon canon en bas de l'eau. Des petits canons de 90 cm. Petit canon ça y a c'est canon qui compte sous des bateaux et les couleuvrines. Grand pile boulette canon en bas de l'eau à tout. Grand pile étranger quoi américain français canadien qui vient plonger là il a cherché quoi bon quoi il relait la croix de Saint-Louis son quoi qui grand pile valeur il dit son quoi qui grand pile diamant sous lui donc tout le temps il a cherché la croix de Saint-Louis et puis énigme retentie nous pas connait si rejoindre si pas rejoindre esplanade ça yo connait faire concert ici a des gros concerts. Même toujours dire attention pour pas mettre trop basse là dedans parce que vibration yo a fond mu fort là. Ouais, Jean ça a été presque intact la voûte là était bien belle et c'est voûte là qui était quimbé charge là. Donc c'est là était qu'on stocker boulette canon d'après la petite histoire c'est ça mon yo dit la Katia dit c'est là était qu'on met boulette canon. N'a fait des recherches qu'il y a des recherches scientifiques pour nous cap pour nous capables de rejoindre plein d'origine Fort Oliver là Fort des Oliviers aurait ici pour nous capables ouais si nous t'as rejoint notre restauration parce que son patrimoine lié la portefeuille celui du sud c'est son accès là actif celui du sud pour nous capter ça l'homme étranger vient ici l'homme touriste vient ici l'homme mon au cap vient ici l'homme mon Port-au-Prince ou bien mon qui sont Miami vient ici. C'est il a toujours voulu faire photo l'enfant là parce qu'il y a 300 ans d'histoire qui chita là. Nous avons bon espoir que bagaille a changé là parce que quand il y a moi Haïti veut décoller moi m'a cherché ouais si nous d'ca réparer ça au plus vite, sauver ça qu'a sauver pour nous qu'a quitter pour petite nous qu'a prendre force à tout. Nous même qui Haïtiens qui vivent là-bas, ou soit ici en Haïti, nous-mêmes, nous tous fiers de pays, nous, beau ici, là. Et puis, je dis là, nous entre Cavaillon avec Akin, ensemble avec M. Bob Anglade, qui est capable de nous tous deux zones, non? Et puis, ça, c'est Frère Joël avec l'émission La Bonne Nouvelle. D'ab continuer à visiter la zone sud ici en Haïti. Ça, c'est la bonne nouvelle. La Bible dit, si elle l'a fait paraître à clé, gloire à bon Dieu. Les faits, ouais, tout ça, bon Dieu t'a fait avec Mel. Ça, c'est dans Somme 19, verset 1er. Je nous fais que ça dit dans la Bible que toute gloire, bon Dieu, déclarée sous la terre, toute merveille, bon Dieu, toute belle création, bon Dieu fait, mon cher, moi capable de dire sans encourager. Parce que présence, bon Dieu, sous la terre, même si nous voyons dans la Bible, le bon Dieu t'a créé la terre, c'est avec présence qu'il fait. Il créé la mer, il créé tout poisson, il créé toute bête, avec présence li, sous la terre, que il est venu pour capable couvrir la terre avec la mer, yo, avec toute l'eau, la mer. Et puis, je dis là, moi capable de dire, gloire, bon Dieu, voulait entrer dans la vie partout. Oui, même, les mon grand problème là, quand même, les mon problème la famille, les mon problème finance, les mon problème l'argent que j'ai besoin, les mon gagner pour me capable faire une décision, moi besoin de sagesse dans mes bon Dieu, moi inviter présence bon Dieu dans la vie, moi. Parce que pendant ma pas adoré bon Dieu, même gens que nous ouais, dans Somme 19, continuons avec ça, toute la terre nette déclarer gloire bon Dieu. Pendant le soleil levé, jusqu'à ce que le soleil couché, gloire, bon Dieu, déclaré sous la terre.
C'est la présence de bon Dieu qui vient sur la terre, qui fait nous connaître qu'elle existait vraiment. Pendant que je fais la prière, je sens la présence de bon Dieu. Ça, c'est la gloire de bon Dieu. C'est pour ça, ça pour nous faire, c'est pour nous capables d'adorer. C'est pour ça nous prier, nous chanter. Depuis nous chanter devant bon Dieu, nous sentons la présence. Nous allons à l'église, nous chanter. Présence de bon Dieu descend. Présence de bon Dieu dans la vie, nous. C'est toute bagaille. C'est ça qui est plus important que toute bagaille net. C'est présence bon Dieu. C'est pour nous capables de comprendre que toute création bon Dieu déclare gloire bon Dieu. Toute création bon Dieu fait une façon pour nous capables de comprendre que bon Dieu existait. Existence bon Dieu, son bagaille qui est important. Bon Dieu pas mouru, il est vivant. Il a créé toute bagaille sur la terre. Il était là depuis avant et puis là pour l'éternité. Et puis dans toute création, chanter gloire, bon Dieu, avec même côté soleil levé jusqu'à ce que côté soleil couché, gloire, bon Dieu, déclarée sous la terre. Et puis nous-mêmes, si nous voyons pieds boyaux, là, beau la mer, ici, dans les Anglais, à adorer bon Dieu. Et puis, où est toute belle merveille que bon Dieu fait. Pour qui ça, ou même avec moi, comme l'homme, nous pas déclarer gloire, bon Dieu tout. À nous, bye bon Dieu gloire. À nous, bye bon Dieu gloire, que le mérite. Parce que bon Dieu vivant, et je dis là, côté nous la présence, je dis là, je suis capable de dire même côté mien, qu'on y a senti présence, bon Dieu. Et puis, ou même tout, sous-marquez ça. Sous besoin de présence, bon Dieu, dans la vie, ou pour qu'on fait expérience ça, ouvrez le cœur. Mandez Jésus entrer dans la vie, et pour sentir la présence, bon Dieu, et pour envie by bon Dieu, gloire. Même gens que nous avons belle pieds bois, ça est capable de by bon Dieu, gloire. Ça, c'est Frère Joël avec émission La Bonne Nouvelle, avec un petit conseil pour la vie. Manger créole, manger haïtien. On a le fonti manger avec Frère Joël. Mon cher, si c'est pour qualité manger, ou pas qu'à dépasser vous ici à la jardin soumer. Monsieur Bob Pralbay, nous, on dit manger. Je vais faire une prière. Okay. Cher Seigneur, nous disons merci pour ici, nous disons merci pour jardin soumer, nous disons merci pour Monsieur Bob. Qui a aidé nous là, puis nous demandons pour qu'il pose une main sur lui, protéger lui, aider lui pour être capable d'accomplir toute vision qu'il a gagné pour Boïsia là. Nous demandons pour qu'il puisse bien manger ça avec tant ça qu'on a passé ensemble ici dans les Anglais. Nous disons merci pour ça, dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est un plaisir pour nous recevoir aujourd'hui là. Merci beaucoup. Nous venons. Nous venons pour te la bonne nouvelle à Jardin-sur-Mer. Et puis, nous allons faire un bouton de manger que nous faisons pour nous. Ça, c'est la timbale de fruits de mer. Et ta base de fruits de mer, comme ça se dit. Donc, un filet poisson, crevette et puis que de langouste. Tout ceci mijote dans du lait de coco avec du poivron, de l'oignon, des tomates. Et c'est ce qui donne cette merveille. Le deuxième plat qui est là, c'est un poulet au raisin. Le poulet au raisin, c'est du poulet désossé que l'on fait mijoter aussi dans un peu de vin rouge avec des raisins secs de Corinthe. C'est tout bail, ça, et puis le petit lait de coco et tout. Mm. Ce secret cuisinier, c'est lait de coco ici. Et crevettes, ça sont crevettes à la plancha. C'est espagnol. C'est comme nous avons de très bonnes crevettes là, en Béa, c'est crevettes Béa que il faut, pour mes qualités, il faut être très frais. Ce sont des crevettes fraîches. Oui. Parce qu'il faut le manger chaud. Oui, ok. Merci. S'il vous plaît, madame. C'est comme ça. Et puis ça, c'est... Ça, c'est une écrevisse qui... C'est ça où est l'écrevisse blanc? Oui, ça, c'est... Non, ça, c'est... Rosada, c'est écrevisse rosé. Pink shrimp. C'est pink, là. Oui, c'est ça. Hein? Ça, c'est pink shrimp. Oui. Donc, vous faites sortir de l'eau à matin. Hein? Et puis, vous passez à la casserole. Et puis ensuite, vous flambez avec un petit rhum barbancourt. Oh, c'est un petit rhum barbancourt là qui. Wow. Mmh.
c'est la première fois que j'ai une crevice comme ça. Et puis, on cuit les bien, ça veut dire qu'il n'est pas cuit trop. Là, on cuit les trop, les est dur. Ça est très tendre. On prend une goulaille, beurre, c'est tout, goumna. Ballonti. Goumna, ballon dernier flavor. Oui, oui, oui. En anglais, nous relais ça on tang. Les ballons tang. On dit, les ballons tang. On dit, en plus. En créole, nous avons dit plus. Oui, c'est ça. Hein? Combien de terrain nous gagnons? Combien de terrain nous gagnons? Là, nous sommes presque 80 000 mètres carrés. Puis c'est de temps en temps, nous faisons un petit morceau, nous mettons sous lit. Si nous avons l'argent pour acheter, nous achetons. Parce que son bel côté et son côté que. Qui a appelé à développer un bel centre touristique bon, ici. Nous-mêmes qui sommes capables de garder la bonne nouvelle la semaine prochaine, nous allons retourner pour nous chercher un plus bel côté, même pas contre qui nous avons vraiment. Nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas facile, non? C'est difficile pour jouer. Mais merci beaucoup lorsque vous regardez. Et puis, merci à Bob. Je dis merci en plus. Parce que nous. Parce que l'homme, pour contre, moi, je n'ai pas d'appétit. Même là, je mange bien aujourd'hui parce que l'homme, il y a des amis qui ont mangé avec moi. Toutes les choses, je pense que dans la vie, il faut partager. Le sort ça tout plus bien. Moi, c'est comme ça me vivre. Mais quand il y a n'importe qui qui doit dire Frère Joël Rivet, côté qui est un plus bon manger en Haïti qui existe. Même gens avec Belle Lambi, frère, ça nous joint hier matin. Et puis, depuis midi, il était en train d'entrer dans une belle sauce créole pour nous être capable de mettre sur le diri. Et puis, m'a invité nous-mêmes, vous ici à là, ou après sur l'écran, ou après. Email M. Bob, et puis à la même temps, on va prendre le téléphone pour ici, on va faire une réservation parce qu'il me connaît. Combien de chambres vous avez là? Là, actuellement, nous avons 36 cabanes. Bon, nous avons 18 chambres. Même si vous voulez venir marier ici, venir avec la famille là, ou faire un mariage sous la plage. Trompeuse, sous la plage, sous l'île, un mariage pied à terre avec smoking. Ah, oui. Nous faisons deux mariages comme ça déjà là. Ça, c'est la bonne nouvelle avec Frère Joël, Madame Frère Joël, avec M. Bob Anglade. Dans la semaine prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Bon appétit. Vous quittez pour nous. Il a envie de manger.